J'ai ma guitare donc qui est une Strat mexicaine qui a été upgradée avec les années. En fait, sur l'électronique, il n'y a plus que le micro branche qui est d'origine. Le micro centre il a été changé parce que il faisait pas les positions intermédiaires en inversion de phase. Alors, mon matériel, alors moi je joue sur Pearl, sur une acrylique couleur Ruby Red. Alors voilà, j'ai emmené juste la caisse claire parce que si j'avais emmené toute la batterie, il aurait fallu un grand angle. Et puis voilà, ça aurait pris un peu de place pour notre petite vidéo. Voilà, donc c'est celle-là qui est ressortie du magasin. Donc, une Fender Jazz Bass. Alors moi, j'ai tout fait sur cette guitare qui est ma guitare fétiche que j'ai maintenant depuis 7 ans. Et la particularité ici, c'est donc j'ai un humbucker en format simple, c'est un Seymour Duncan Odd Rail que j'ai fait en plus ensuite installer un split. Donc ici, je suis en micro simple comme une Strat standard. Et ici, après, j'arrive à avoir des sons un peu plus gibsoniens, si on peut dire. Un peu plus énergique quoi. Par contre la position comme ça en simple, j'ai plus de médium et il perce plus dans le mix. Le modèle acrylique de Pearl Crystal Beat, donc Ruby Red, hein, y a trois couleurs qui se déclinent et aujourd'hui c'est le réplica en fait de leur modèle de 73 dans les années 70. Voilà, c'est du plastique. Il y en a beaucoup qui disent que en fait ça sonne un peu carton. Alors vous écouterez l'album et vous changerez d'avis. On est un studio ici, c'est un studio humble. On n'est pas le Reward Studio. On a la chance d'être un collectif de techniciens qui s'impliquent, qui mettent du matos en commun, en plus du matos, parce qu'on aime bien se faire plaisir. Et puis varier aussi les plaisirs et les couleurs à la prise. Donc non, c'est pas. C'est un studio tout à fait correct, modeste et correct. Voilà, mon ampli, j'ai un vieux blues de luxe Fender, tout lampe en 40 watts, qui date du début des années 90. Et donc je l'ai acheté en 2014, et depuis, là on est en 2020, donc, voilà, depuis 6 ans. Et je me vois pas changer de guitare pour l'instant. J'avais convenu au départ avec Seb que je ferais tout à la folk sur ce disque, et on est resté sur ce qu'on avait dit, voilà. La batterie qu'on a utilisée, donc grosse caisse de 22, caisse claire de 14, la piccolo on l'a pas utilisée, et puis tom de 8, 10, 12, et tom floor 14, 16. Je joue pas mal avec les délais aussi, donc ça donne aussi un autre style de son que si on était en accord sec et plein quoi. Et en jeu de cymbales Sabian, une China de 18, une Crash de 18, la Ride de 20, une crash de 16, une crash de 14, une crash de 16 ozone, qui a une réponse courte, assez sèche, un peu comme la China. En fait, c'est l'ozone est entre la China et la crash au niveau des réponses. Donc bon, ça s'entend sur l'album, il faut avoir l'oreille, bon, faut aimer la batterie, connaître. Et puis une cymbale d'effet. C'est une guitare qui est super agréable à jouer et puis qui voilà, le son qui me convient. Et, pour l'instant, je me vois absolument pas changer de guitare. Voilà. Un Gilmour, déjà, c'est déjà une référence pour moi, mais pas que. Après, moi, si j'ai une Strat, c'est pas pour rien. On va dire les Hendrix, c'était déjà quelque chose. J'avais beaucoup écouté The Edge quand j'étais plus jeune. Donc, mais après, bon, après, tout ce qui est. J'aime beaucoup Jimmy Page ou Angus Young, mais c'est moins mon style de jeu, mais... Peut-être un jour je jouerai sur une Gibson. Peut-être. Il va falloir la trouver celle-là, parce que... Pour faire aussi bien que celle-ci, ça va être compliqué. Donc celle-là, je l'ai utilisée sur 9 chansons. Il y a un pêche là. Mais c'est pas moi, je crois, qui l'ai fait. Je l'ai prêté à quelqu'un et... Non, c'est un grand classique du studio. Il y a dans les studios, on se doit d'avoir des marques
qui sont des références. Comme chez les guitaristes, il y a des guitares qui sont des références, des basses qui sont des références chez les bassistes. Pour les batteurs, ils ont des références bien précises en cymbale ou en casse claire, parce que pour eux, c'est le temps. Mais le problème, c'est que nous, en studio, on a tellement de choix de matos du fait qu'ils correspondent à tellement de points de vue et d'oreilles qu'on se doit d'avoir du matériel qui correspond à ces critères. Donc, investir dans des micros comme ça, c'est justifié. Ben, que même s'il paraît imposant comme ça, j'ai utilisé à peu près 80% de ses pédales pour l'album. Et en fait, j'en ai fait deux à la 12 cornes. C'est juste savoir estimer ses besoins pour aller de l'avant et donner le meilleur de nous-mêmes. J'ai fait une chanson qui s'appelle « Elle quitte l'équipage » sur une guitare qui a eu un accident depuis. C'était une Lag 12 cordes qui a eu un fâcheux accident, qui est décédé avant l'été. Mon son de base, donc ici j'ai un MXR Super Comp qui est en Always On, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que ma Strat, j'ai besoin de... Seule, elle manque un peu de sustain, et avec ça j'arrive à faire augmenter le sustain et faire durer un peu plus les notes, notamment sur les solos. Et le cut là est de deux côtés. Là et là. Bizarre. Et puis, dans le futur, j'aimerais bien, changer la couleur. J'aimerais bien là, tout poncer et changer de couleur. Mais c'est un peu... Faut que je demande au spécialiste guitare de Mercedes. Après, tout ce qui est distorsion, enfin crunch, on va dire, c'est la Tube Screamer qui est sur tous les morceaux. Quand c'est des morceaux en son clean sur les solos, c'est celle-là. Quand c'est des morceaux en son plus saturé, c'est celle-là qui est à la base de tout. Et un chopper disc qui est une cymbale d'effet sur le côté que je joue uniquement sur une seule chanson qui est Tu croyais croire. Et puis un tambourin qu'on a sur pas mal de chansons, surtout frappé. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé celle-ci pendant mes vacances, une occasion, Ibanez. Et en rentrant de vacances, on a fait une prise de rattrapage sur ailleurs où je l'ai utilisé. Et après, donc j'ai le délai. Ici, c'est un Memory Man d'Electro Harmonix. Le Memory Man with Azarai. La particularité, c'est qu'il est numérique, même s'il arrive à avoir un son assez crédible par rapport à certains modes analogiques, puisqu'il a des mémoires. Et donc, j'ai quelques presets. J'en ai utilisé 3 pour l'album. J'ai 2 délais et une simulation de reverb. Il y a une paire qui appartient au studio, ce sont les blanches. Tu parles dans la cabine. C'est un boost overdrive que moi j'utilise que pour le boost, mais avec les deux modes. Donc il y a un qui fait clean boost, donc qui augmente le volume de ce que je joue. Donc ça me permet de faire des solos sur les sons clairs, ou autrement sur certains passages, juste augmenter le son de ce que je fais. Et ici j'ai une augmentation et du gain et du volume. Donc là c'est vraiment pour le solo endiablé à la Gilmour. moi je joue que au doigt. Quand j'ai débuté, je jouais avec un seul doigt d'ailleurs. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai augmenté d'un doigt et un autre doigt et un autre doigt. Et ça y est, là, ça y est, je commence à faire le petit doigt. Ça y est, la première chanson avec un petit doigt va arriver. Voilà, sur quand vient le soir, par exemple, j'utilise un flanger, surtout le morceau ici, donc chez Mixer également, le micro flange. Et en fait, elle a un son bien meilleur que l'autre, donc finalement, c'était un mal pour un bien. Et du coup, elle va me servir, je pense, pas mal à l'avenir, et notamment pour des trucs un peu plus solo et tout ça, enfin, en solo, ou en duo. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus. La Wawa, Syn Dunlop, Crybaby. Le week-end de l'enregistrement, aucune. Je pense que je m'étais préparé avec des baguettes neuves, donc qui n'étaient pas usées. C'est vrai que la baguette, quand on va sur le charlet un peu en heavy, ouvert, ça fait un peu effet taille crayon. Et au bout d'un moment, à force de jouer, effectivement, ben,
ça s'affine, et à un moment on va taper sur la cloche de la ride et ça va péter. Voilà. Et puis ça s'envole et puis on est en plein concert. Et... Alors ce que j'ai rajouté sur cette wah-wah, c'est ici j'ai un mode un trou bypass qui permet en fait d'isoler la wah-wah du circuit, parce que comme beaucoup de monde le sait, la wah-wah a tendance à colorer le son même quand elle n'est pas enclenchée. Et là, du coup, elle est isolée du circuit. Et en plus, ça me permet d'être enclenché dès que je pose le pied dessus, ce qui n'est pas le cas. En théorie, il faut appuyer dessus pour l'enclencher. Et ça fait un clic, généralement. Puis en plus, ça, on est tout de suite sur le son aigu. C'est pas forcément le son que je veux au départ quand j'enclenche la wah. J'ai proposé à Gaël de virer ce système pour mettre le mien. Parce que vu que moi, je me balade pas mal à mon boulot, des enceintes, c'est comme une voiture. Moins elles tourneront, puis elles s'abîmeront autant que si elles tournent. Donc du coup, j'ai amené mes enceintes et là, on a passé un cap, une modification au niveau du studio, parce que la structure n'est pas figée, elle est en perpétuelle évolution. Ça, c'est custom, oui et non. Ça se vend sur les magasins de musique. Ça me permet au pied de changer le taux de sustain que je veux avec le compresseur. Ça, c'est par contre custom. Ça, c'est fake, hein. Je dirais même pas quoi. C'est un truc pour accrocher les rideaux au-dessus des fenêtres. Pourquoi j'ai fait ça en fait? C'est parce que c'est le bouton qui permet de changer de mode. Et il est impossible à changer au pied en théorie avec ce truc-là. Il faut s'accroupir. Donc quand on est en concert, s'accroupir avec les lumières et tout ça, et bouger le bouton, appuyer, puis se relever. Alors par ça, je le fais au pied. Et j'ai essayé le Mediator, mais pour l'instant j'y arrive pas. Enfin, bon, j'ai pas essayé beaucoup. Mais déjà, le tenir, j'ai pas compris. Donc voilà, pour l'instant, au doigt. Alors ouais, celle-ci, elle a pris un paquet de taquets. Je sais pas si on voit bien là, mais en fait, elle a souffert, mais bon, on s'en fiche un peu, hein, c'est pas ça qui compte, c'est la qualité du manche. Mais à force de. Bah, entre la sueur, entre les rythmiques un peu percussives où tu frappes dessus régulièrement, bon elle a quand même bien souffert, même à l'arrière ici où elle a morflé pas mal, mais je l'aime bien comme ça en fait. Je préfère ça plutôt que d'aller mettre des autocollants débiles dessus en fait. Si on veut quand même avoir de bonnes écoutes, il faut mettre le prix, parce que des bonnes écoutes de studio, ce ne sont pas des écoutes flatteuses. Sont des écoutes qui vont nous permettre de pointer là où ça va pas dans la couleur du son et de nettoyer pour après avoir un compromis sur plusieurs systèmes. Le son parfait n'existe pas. Combien d'effets sont enclenchés au maximum pour une chanson? Pour le solo, ouais, pour certains solos, je peux avoir celle-ci. Et que j'enclenche en fait, parce que je dois avec le circuit, hein, en appuyant une seule fois, c'est ça l'intérêt. Mais il faut que j'anticipe en appuyant sur les pédales que je veux quand même en jouant.